Donc maintenant, <coughs> pardon, régime de retraite, le REGOP. Donc sur la retraite, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que par rapport à la dernière ronde de négociation, nous sommes dans une meilleure posture là, pour négocier euh, euh, sur le régime. Euh, votre régime est dans une meilleure situation financière. On peut dire que les effets de la crise là, de 2008 sont bel et bien derrière nous. Et puis, euh, bref, la, la conjoncture politique et économique autour des régimes de retraite s'est aussi euh, grandement améliorée. Bref. Tous ces éléments-là négatifs sont derrière nous, de sorte qu'on est dans un, un meilleur contexte. Vous voyez à l'écran euh, que le REGOP est en meilleure situation. On est en situation de surplus de 4,6 milliards. Il est capitalisé à 107 donc ce qui signifie que votre régime est pleinement en mesure de répondre à ses engagements financiers envers les retraités. Au niveau des demandes, maintenant, bien, elles se déclinent euh, en trois enjeux. Euh, diapo suivante. Donc, euh, la première diapositive euh, à votre gauche, donc le premier enjeu, on parle de maintenir la qualité de la retraite en stabilisant le taux de cotisation. Donc, comme vous le savez, le taux de cotisation actuellement là, au REGAP avoisine euh, les 11 sur la partie de votre salaire admissible qui dépasse les 25 là, du maximum de gains admissibles, donc sur la partie de votre salaire qui dépasse à peu près là, 14 000 donc, nous, on pense que c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à cotiser, en fait. Donc, nous, on pense que l'élastique euh, de la cotisation commence à être étiré pas mal au maximum si on veut préserver euh, le revenu disponible. Donc, vous savez, là, sinon, on, on essaie de négocier des hausses de salaire comme vient de de l'expliquer Julie. Puis, si d'un autre côté, la hausse de cotisation vient un peu gruger tous les gains qu'on fait du côté salarial, bien, on ne sera pas plus avancé. Donc, l'objectif avec cette demande-là, c'est de poursuivre les travaux déjà entamés avec le Conseil du Trésor dans le cadre du comité de travail interronde afin de convenir de mesures qui vont permettre de stabiliser le taux de cotisation dans le contexte notamment là, de la maturité croissante du régime. Ça, c'est des choses qu'on vous a déjà parlé là, lors d'une précédentes présentations, c'est des trucs avec lesquels là, vous avez dû euh, jongler et informer les membres dans le cadre de la consultation. Donc, là, à titre de rappel, là, vous savez que le ratio des participants actifs... Versus les retraités, là, va passer de 2 à 1,2 d'ici 2030. Puis ça, bon, ça risque de créer une pression là, objective financière sur votre taux de cotisation. Donc, on est entamé des discussions là, avec le Conseil du Trésor dans le cadre d'un comité de travail, puis on veut poursuivre là, des réflexions, puis notamment continuer à faire évaluer différentes mesures qu'on teste là, par Retraite Québec et l'organisme public là, qui, qui chapeaute l'administration euh, euh, du REGAP. Ensuite, on propose, euh, c'est la diapo du centre, euh, une série de mesures qu'on peut qualifier de progressistes pour bonifier les conditions de retraite, mais des mesures qui n'ont aucune incidence là, sur le coût du régime, donc en cohérence avec les, les travaux euh, dont je viens de vous parler, donc pas d'incidence sur euh, la cotisation. Donc, la première, allonger la durée maximale des retraites progressives de 5 à 7 ans, dans le contexte là, de la rareté de main-d'œuvre. Et de l'accentuation de la pénibilité du travail. On pense qu'il va être bénéfique là, que les salariés puissent bénéficier d'un programme de retraite progressive qui va jusqu'à 7 ans. Donc, c'est une mesure de rétention qu'on peut qualifier de, de progressiste. Ensuite de ça, revalorisation de la rente après 65 ans. L'objectif visé ici, c'est de permettre aux gens qui arrivent en fin de carrière puis qui ont peu d'années de service. De continuer à travailler en échange d'une revalorisation importante de leur rente pour le service cumulé après 65 ans. Donc, les gens qui ont un parcours atypique, par exemple, qui entrent plus tard là, dans le secteur public, sans nécessairement avoir contribué à un autre régime de retraite auparavant, pourraient profiter d'une telle mesure pour améliorer considérablement leur revenu de retraite. Donc, c'est un. C'est un mécanisme qui existe dans la majorité des autres régimes complémentaires de retraite. Là. Il y a donc une question d'équité aussi avec ce qui se passe là, ailleurs, là, au Québec, avec d'autres employeurs. Et finalement, augmenter l'âge maximal de participation à... 71 ans, bien si là, il y a une question de, de concordance là, avec la loi sur l'impôt, comme on vous avait déjà parlé, qui permet maintenant de cotiser un régime de retraite jusqu'à 71 ans. La loi sur l'impôt permet ça, mais la loi sur le REGAP limite la, la participation à 69 ans. Donc, le phénomène là, du travail après 69 ans, même si c'est plutôt marginal dans le secteur public. Pour des personnes, ça demeure une nécessité, puis il y en a même qui le font par choix. Donc, pour ces personnes-là, là, cette modification-là au régime serait bénéfique. Et finalement, dernier volet euh, de la demande sur le REGAP euh, des investissements des énergies fossiles et euh, politique d'investissement euh, responsable. Donc, la caisse de dépôt, là, la caisse qui investit une part significative de notre épargne dans les énergies fossiles, euh, ce sont des placements que je dirais qui vont un peu à, un peu beaucoup, même à, à contresens des, des, des choix de société qu'on doit faire sur le plan écologique. Et même si euh, on se plaçait d'un point de vue strictement euh, financier, là, les actifs dans les énergies fossiles là, sont aussi de plus en plus euh, risqués dans le contexte de la transition énergétique, dans le contexte où cette transition-là s'accélère. Donc, en ce sens-là, on pense que nos cotisations, les cotisations dans le Régop, ne devraient pas être mises à risque. Là, pour financer la crise climatique, les pipelines, etc. Donc, ça doit plutôt servir à soutenir la, la, la transition énergétique vers les, les énergies renouvelables et des emplois plus écologiques. On va demander en ce sens-là un, un engagement de la part du gouvernement du Québec pour qu'il demande avec nous que la Caisse procède à un désinvestissement progressif ordonnée et cohérent des énergies fossiles au Regap rapidement d'ici 2023. Et ensuite de ça, euh, l'autre demande consiste à améliorer substantiellement la politique. D'investissement responsable de la Caisse en ciblant davantage des investissements québécois et en augmentant la prise en compte des éléments environnementaux et sociaux dans la gestion financière des sommes en dépôt de ses déposants. Donc, la Caisse, là, au cours des dernières années, a mis beaucoup d'efforts dans leur politique, ce qu'on appelle la politique ESG, là, environnement euh, social et euh, de gouvernance. Là. La, la Caisse a mis beaucoup d'emphase sur euh, tous les aspects de gouvernance. Là, dans les entreprises là, où elle investit. Euh, ça, ça a été, je dirais, bon pas dans la bonne direction, mais il reste encore euh, beaucoup à faire et même il euh, faut faire mieux là, sur le plan environnemental et social. Donc, euh, c'est ce qu'on va euh, revendiquer aussi, là, un peu dans le même esprit de la proposition précédente. Là. On, va, on va aller chercher un, un engagement là, de la part du gouvernement du Québec là, pour qu'elle fasse ces représentations-là avec nous là, pour modifier euh, les pratiques de la caisse. Et finalement, peut-être à, à titre d'information, informatif, en lien avec certaines demandes là, qui n'ont pas été retenues dans les travaux d'harmonisation euh, qui ont eu lieu en CCSPP, euh, les fédérations ont adopté un mandat d'effectuer des travaux d'évaluation des impacts de l'élargissement de la notion de salaire admissible au régime de retraite pour les primes. Donc, vous vous souvenez, dans le cadre de la consultation, de retour de consultation, il y avait quand même beaucoup de demandes en lien avec le régime de retraite et les primes. Donc, les fédérations là, euh, ont tout de même là, euh, choisi là, de, de, de se donner un mandat pour poursuivre les, les travaux en sens-là, là, bien que ça ne soit pas une demande là, dans, dans le cahier euh, du euh, dépôt de la table centrale.